Ok. Je sais pas pourquoi ce qu'ils ont ces derniers temps, ils mettent pas beaucoup de cinématiques, hein, ça c'est clair. Donc salut, c'est Dersonk. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte de la démo de Rayman Origins. Voilà, un jeu qui sortira sur, notamment sur PlayStation 3, sur Xbox j'imagine. Et surtout, et là on va en parler bien entendu, sur la fameuse PS Vita qui sortira l'année prochaine. Eh oui. Et donc c'est un jeu bien sûr de plateforme, vous l'aurez compris, édité et développé par Ubisoft et qui sortira le 24 novembre de cette année. Donc une démo qui est sortie il n'y a pas longtemps, en tout cas j'ai pas vraiment la date exacte, mais sortie il n'y a pas longtemps. Ça se trouve aujourd'hui même, mais je crois pas qu'il y a eu de mise à jour aujourd'hui. Bref, donc c'est... qui est sortie en tout cas largement 2 semaines avant la sortie du jeu. Et bref, et c'est vrai que j'avais pu tester ce jeu, notamment lors du Paris Games Week. Attendez, grotte, bah on a qu'un niveau, ok, c'est cool. Bah vas-y, hein. J'avais pu tester la version du jeu sur la PS Vita lors du Paris Games Week. D'ailleurs, je me souviens, j'avais fait une queue de 1h30 avec Zertri et c'était assez marrant. Ah bah tiens, c'était la même en fait, c'est marrant. Et puis c'est vrai que ça m'avait bluffé, mais avant tout, ce qui m'avait bluffé, là, on peut choisir nos personnages, ok. Juristique et truc. On peut sauter. Bon, on va prendre lui là, tiens. Je suis pas vraiment un as du jeu. Non, ce qui m'avait surtout marqué au départ, c'était l'aspect graphique. Franchement, ce jeu, ça se voit, franchement, ça se voit. Et je pense qu'ils auraient pas pu mieux nous présenter. Bien sûr, il y avait une Uncharted aussi lors de la présentation de la PS Vita, mais ils auraient pas pu mieux nous présenter comme jeu que ce Rayman pour mettre en avant les qualités graphiques proposées par la PS Vita. Franchement, ce jeu, on claque, il donne une claque. Pour moi, il donne une claque parce que il a ce côté design, ce côté artistique, franchement, dans les graphismes qui est bluffant. Moi ça me plaît beaucoup et j'accroche, quoi, j'accroche. Donc oui, bah je remarque que c'est le même niveau qu'il y avait sur lors du Paris Games Week. Donc ok, c'est cool de savoir ça. Donc oui, voilà, c'est vrai que je me suis dit, d'ailleurs j'ai toujours le 1. Ok, je suis mort, c'est cool. J'ai le 1 sur la PS3, parce que bien sûr à chaque fois sur le PlayStation Network, qui vous donne des fois des jeux PlayStation 1 comme ça. Et donc celui-là, il était une fois, le 1 était une fois gratuitement disponible pour les membres du PlayStation Plus. Ok, j'ai loupé ça. Pour les membres du PlayStation Plus, on peut appuyer deux fois. Ça fait quelque chose. Je me souviens qu'on appuyait deux fois, ça faisait un hélicoptère, non? Ah, celui-là, ça fait la robe et ils volent. Donc je pense qu'ils ont tous un double saut qui permet de maintenir un peu plus dans les airs. Oh putain, ça reste. Voilà. Oh, c'est cool. Voilà. Donc oui, c'est vrai que ils pouvaient pas mieux faire, quoi. Et j'ai vraiment eu la chance et ça m'a vraiment bluffé. Je me suis dit, tiens, là, la PS Vita, franchement, elle en claque. Hein. Elle en jette parce que ça. C'était tellement fin graphiquement que. Voilà, je suis mort. C'était tellement fin, tellement détaillé, il y avait tellement de couleurs que voilà, moi franchement ce genre de design comme ça sur les jeux, ça me voilà. Je trouve ça super joli, quoi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis oui, qu'est-ce que je disais, je crois que je parlais du 1. Oui, j'avais le 1, je l'ai un peu commencé. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté un petit peu au début, j'ai fait juste un ou deux niveaux. Ce que j'ai pu remarquer surtout, c'est l'humour présent dans ce jeu, c'est incroyable. Et surtout l'humour, mais avant tout l'autodérision qu'il y a au niveau des personnages et au niveau, j'aurais envie même de dire au niveau de l'univers en lui-même, quoi. Donc c'est incroyable. Là on peut frapper avec carré, ok. L'autodérision qu'il y a au niveau de l'univers, parce que voilà, il n'y a pas de prise de tête concernant l'univers, on se moque de tout et de rien. Donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super fun. Et c'est vrai que là, en jouant à ce Rayman, même sur la plateforme PS Vita, ça m'a vraiment donné envie de tout simplement reprendre le niveau, la version PS1. Et puis voilà, c'est vrai que ça donne vraiment envie, quoi. Même si c'est clair que c'est pas le même niveau au niveau des graphismes, mais bon, c'est pas vraiment ce qui est aussi important, même si là ça donne vraiment envie rien que pour voir les graphismes, quoi, parce que c'est super joli. Donc voilà, et on avait vraiment le même niveau, quoi. Ils sont pas pris la tête, les mecs, hein. Ils sont pas pris la tête, les mecs. Ah, je sais pas ce que c'est que ça, là. C'est quoi ce
Allez, mais je donne des trucs. Ça m'a donné là. Ah, ok, il y a une main là. Vas-y, monte. Comment je fais? Putain, je suis bloqué comme un noob là. Allez, monte. Ah, monte. Ah, oui, c'est bon. Là, je fais quoi là? Ah, oui, je crois que je dois faire ça, voilà. Allez, bah, allez, mais c'est n'importe quoi. Mais ouais, mais. Je vais faire quoi? C'est un gros plein de soupe. On recommence pas depuis le début. Donc voilà, je me suis dit. Ah non, ça va. Je me suis dit, tiens, il y a une petite démo. Pourquoi pas l'essayer quoi? Bon, je m'attendais un petit peu que ça soit. Non, mais c'est une blague. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Je m'attendais pas non plus à une autre démo très extraordinaire. Mais voilà, c'est vrai que ça fait quand même plaisir de pouvoir l'essayer chez soi tranquillement. C'est pas pareil quand même. Ouh. Ça rappelle Mario quand même hein, la petite musique là, c'était limite c'était Mario quoi. Oh là là. Allez mais décroche-toi là. On peut donner des coups de pied, hein, des coups de patate. Ah attendez. Ah plus on maintient rond, plus la patate elle est grosse. Pah oh, ta gueule. Ah dans les airs. Ah y'a carré aussi. Bon rond et carré j'ai l'impression que c'est la même chose en fait. Hein. Allez, allez. Le personnage est archi marrant. Ouais, c'est quoi ça? R1? Ah! L1 c'est pour le sprint. Une sorte de sprint, regardez. Fou! On le maintient, ça sprint. L2? L2 c'est le sprint aussi. R1? Sprint aussi. Là, faut donner des patates là. Ah ouais, ça nous donne des sortes de. De rien, des libellules là qui veulent rien dire. Et les autres là on dirait des zombies mais. Voilà, des vieux zombies quoi. Merde. Ah, merde. Savoir que si vous maintenez croix dans les airs, ça vous fait une sorte d'hélicoptère qui vous permet de vous maintenir un petit peu plus. Voilà, ça. Ah tiens, je suis chaud là. C'est bon, faut pas m'énerver. Allez. Attendez. Ah. Attendez. Ah, si vous faites, par exemple, si vous sautez et que en plein air vous appuyez sur bas, la touche du bas, ou joystick, vous le mettez vers le bas, ça fait une sorte de combo qui explose vers le bas en fait. Un coup vers le bas. Et si vous faites vers le haut, ça donne une claque vers le haut. Ça permet d'atteindre des objets qui sont juste en haut quoi et qu'on n'arrive pas à atteindre sûrement peut-être en sautant juste en sautant quoi. Non oui ça a l'air vraiment fun quoi. Et j'ai pu voir pas mal de vidéos sur internet d'autres niveaux. Parce que je me suis dit bon celui-là il est joli et tout mais bon ça veut rien dire peut-être. Peut-être que les autres niveaux vont être tout moches quoi. Juste celui-là parce qu'ils l'ont juste un petit peu travaillé parce que c'est celui qui allait te présenter quoi. Donc oui bon j'étais un petit peu sceptique. Bon c'est vrai que j'étais pas très optimiste on va dire. Mais apparemment c'est super joli. Même les autres niveaux sont super super jolis quoi. Ça fait. Allez mais comment vous voulez qu'on récupère ça aussi? Donc sûrement des pièces ou je sais pas à quoi ça va servir. Mais ouais. En tout cas c'est vraiment un jeu que j'espère que je pourrais me procurer lors de sa sortie ou pas. Ou un petit peu plus tard mais en tout cas que je pourrais. Pourquoi ils sont rouges? C'était pas rouge tout à l'heure. C'est bizarre. Ouh ça rase. Oh, comment on a donné un coup de pied tout à l'heure? On n'a pas donné un coup de pied. Ah, il était plus coréen celui-là. On n'a pas donné un coup de pied tout à l'heure. Si, je crois. Ah. Wouhou. Ok, j'arrête. Ya, kamikaze. Trop débat. Oula. Ah, ça me rappelle le truc du zombie. Non, du zombie, ok, ça. Aucun rapport, on dirait. C'est quoi ça? Ok, faut claquer. Un cœur! Ah, c'est une vie! Ah, mais il reste derrière moi le noob. Allez, ouvre-moi la porte. Non, franchement, les niveaux sont super bien faits. Hein. Je sais pas. Là, vraiment, on a vraiment un bon petit remake quoi. Là, on peut pas dire qu'ils sont pas. Ils sont pas cassés le cul, entre guillemets. À nous proposer quelque chose de bien. De bien différent et pas juste. Je suis pas mort là. Ah, il m'a enlevé la vie. Ah voilà, la vie ça sert à ça en fait. Vous avez le cœur à côté de vous apparemment. Et quand un ennemi vous touche, au lieu de vous tuer, bah le cœur s'en va et puis voilà. Ça a l'air ça.
Ah ouais, je me souviens de ces coffres. Ah oui, il faut éliminer tous les ennemis d'abord avant de pouvoir récupérer le coffre. Ouais, je me souviens de ça. Je crois que le niveau était fini d'ailleurs. Ou je sais plus s'il y avait un autre niveau après. Je sais plus s'il y avait un autre niveau après celui-ci. En tout cas, c'est vrai que c'était assez bluffant. Hein. Même sur la PS Vita, ça reste super joli, très très fin comme je vous l'ai dit. Et ça promet, vraiment ça promet du lourd. J'ai l'impression qu'il y a du scoring aussi. Et vraiment, bon, autant le côté graphique, bien sûr, donne envie d'acheter le jeu, autant d'un autre côté aussi, le jeu donne envie de l'acheter tout simplement parce qu'il y a ce côté nostalgique quoi, des jeux de plateforme. Donc ça, ah, on a quand même un autre niveau. Non, sans blague. Ah, on a un autre niveau. Ah, c'est cool. Donc oui, d'un autre côté, on a aussi ce côté justement là nostalgique des jeux de plateforme en général, pas forcément que les gens qui ont fait le Rayman ou je sais pas, je crois qu'il y en avait un Rayman 2 aussi, les Rayman sur PlayStation, pas juste ces gens-là qui se disent ah ça c'est bien, il y a un Rayman sur console HD, pas seulement ces gens-là, juste tous les gens qui sont amateurs de jeux de plateforme, dont moi le premier. Alors c'est vrai que ça me fait super plaisir de pouvoir jouer à un jeu de plateforme et d'autant qu'il soit joli. LOL, hein, on dirait comment s'appelle ces jeux là. Ah LOL, on dirait le genre de jeu comme ça s'appelle ça les. Ça c'est marrant ça. Ah j'ai oublié le nom le genre de jeu là. Bref, vous m'aurez compris. C'est vraiment assez. Ah c'est marrant. Ah ça varie le gameplay, ça c'est bien. Ça c'est bien par contre. Ça c'est un excellent point je trouve. Un excellent point. Et on a une musique, je trouve, de fond, non? Là, on dirait les enfers, carrément, là. Là, il faut qu'il fasse quoi, là? Si on maintient appuyé, bien sûr, ça fait moins rapidement. Et si on bourrine, ça fait plus rapidement. On n'a pas notre coup. Aspirateur. Le quoi? Genre, je me mets en mode aspirateur! Ouais. Ah, d'accord! LOL! Oh, putain, je suis mort! Putain, je suis mort! Oh, putain, je suis mort! Ah, je suis mort. Attendez, j'ai pas bien capté le mode aspirateur là. C'est cool, Dalia. Ah, on aspire les bonhommes pour avoir un super coup de la mort qui tue. Ok, je suis mort. C'est pas vraiment très efficace, hein, j'ai envie de dire là. Voilà. Voilà quoi. Ok, allez, c'est bon. C'est bidon, hein, je le fais même plus ton mode aspirateur. Rond, ça fait quoi? Mode aspirateur aussi. Allez, mais c'est bon là. C'est bon, ça m'énerve. En tout cas, ça, la musique, elle a vraiment l'air très bien. Très 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 bien, franchement. En tout cas, dans l'ambiance, voyez. C'est délire, c'est ça, je vous dis, même si ça n'a peut-être aucun rapport avec l'univers du niveau qu'on est en train de faire, c'est toujours aussi marrant, quoi. Il y a cet humour-là qui est omniprésent, j'ai envie de dire, dans tout le long de niveaux, et ça, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît vraiment dans ce jeu. En tout cas, c'est ça que j'attends. Putain. Pas qu'il me touche encore. Voilà, bah bien sûr, j'avais compris ton mode aspirateur même avant que tu me le dises. Gros noob. Tu vas voir, je vais te l'envoyer mon mode aspirateur. Tu vas voir, capter ta life. Ah, mais continue! Mais c'est nul! Mais c'est bidon, allez! Non, mais je lui donne un super coup et ça marche même pas. En plus, je recommence, allez, c'est bon, je vais marquer. Oublions le mode aspirateur là, c'est tout bidon, ça sert à rien. Spitfire que j'ai là, tout de ouf. Si on appuie sur R1, ça fait rien. Ok. Mais non! Mais non! Mais non! Mais allez, je suis vraiment un noob. Hein. Oh, je m'excuse là. Trop nul, allez. On se concentre. On se concentre. Et c'est quoi ces petits bonhommes? On dirait des. On dirait rien du tout en fait. On dirait des petits lutins qui viennent des enfers là. Lui, je sais pas ce que ça fait si on le bute. Merde, osez tes bonhommes. On se concentre. Allez. Merde. Ok. On s'en fout, t'as le mode aspirateur, je te dis moi. Je suis trompé des touches. Oh non, j'y crois pas. Ah mais j'y crois pas là. Allez, je t'ai promis, c'est sérieux. C'est la dernière.
Sinon, bah écoutez, je pense qu'on, de toute façon, on va se quitter là-dessus. Je veux pas vous gâcher le plaisir, justement, même si je pense que c'est le dernier niveau. Après, vous me direz si vous finissez. Si vous le finissez. Si vous le finissez pas, bah tant pis. Putain, mais c'est con ça! Quoi, reset? Ah bah non! Partir. Ah bah si, reset, c'est bon. Ah, reset, c'est pas reset, c'est rester. Lol. Lol, je voulais faire à la English, mais non, en fait, je suis vraiment nul. Ah putain, faut pas montrer que je suis nul quand même là! Je suis un PGM moi, c'est bon. Oh, c'est bon, et ça sert à rien, c'est. Je sais pas à quoi elles servent ces fioles là de je sais pas quoi là. Et ça sert à rien de tuer ces mecs là. Ah si, ça donne des petits papillons. Un truc qui sert à rien. Ah, voilà. Ah voilà. C'est là qu'à mon avis, je crois qu'il nous demande de faire l'aspirateur. Juste parce qu'il y a. Il y a des zombies qui arrivent en groupe de deux, en fait, je pense. C'est ça. Merde, quel nous. Tiens, le super coup de la mort qui tue de mode aspirateur. Là, faut pas que je fasse le gamin, là. Faut pas que je fasse le gamin, je suis au mocho. Oh putain. Non, crève pas, d'accord. Crève pas, d'accord. Allez, je suis chaud, là. Mode aspirateur. Mais non. Oh, c'est con. Voilà, c'est con, ça. Ah non. Oh, mais non. Mais lui, c'est abusé, ça. C'est bon. Là, j'arrête pas la vidéo, donc je le passe pas là. C'est bon, faut pas montrer mon noobisme. Je suis en SD, je précise. Hein. Le mec, il cherche pas des excuses, quoi. Je suis en SD. Oh là là. Oh le noob. Putain. C'est-à-dire que... Ah, la sensibilité aussi, ça c'est nul. Je suis pas habitué. Je viens de sortir de Battlefield, là. Ah, regardez, je viens de remarquer un truc. Il y a les balles rebondissent. Oh, c'est bien fait, ça. Ah, ça c'est bien fait. Alors là... Ça, je m'attendais pas. C'est vrai que là. Attendez, regardez. Allez, ça rebondit, c'est trop bien. Oh, on peut buter tous les autres mecs aussi. C'est dommage que le mode aspirateur, on soit obligé de le lâcher après. Oh putain, ça reste. Oh putain, ça reste. Oh putain, j'ai flippé là. Oh putain, on passe tranquille là. Mode aspirateur. Oula, c'était pas très malin là le mode aspirateur. Ça se perd pas. Il faut vraiment être en face quoi. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Ah, y'a un niveau au fond. Ah, c'est bien ça. Pas mal la petite transition là sans forcément. Et nos petits zombies. Le petit moustique qui est en train de nous faire voler. Je trouve c'est tout simplement archi marrant avec ses grands yeux là. La grosse tête de drogué, laisse tomber. Wouhouhou, PGM est en route, bande de nuls. Ah, lui c'est le boss. Attention. Mode aspirateur, wouhouhou, déclenché. C'est bon. Ah, c'est des méchants là. C'est quoi ça? Ah, je l'avais pas cramé. Non, ils vont pas me faire recommencer dès le départ. Ah, ça va. Allez, c'est bon, je suis chaud là. C'était risqué là, mais. Bah arrête, allez, arrête tes conneries, je sais pas. C'est n'importe quoi ça. Mais ouais, je trouve que c'est n'importe quoi aussi. Bah allez, c'est bon, je prends pas le risque. Allez, dépêche-toi. On se concentre. Là, je vous promets, si je perds, c'est bon, j'arrête. Parce que bon, je vais pas non plus vous montrer mon niveau de PGM tout le temps, quoi. Voilà. Bref, sinon, c'est vrai que c'est un jeu que, en tout cas, comme ça, rien qu'avoir la démo et déjà même Paris Games Week, que je trouvais vraiment super accrochant, quoi. Même pour ceux qui... Regardez, ça rebondit. Voilà, ça c'est efficace pour les endroits comme ça qui sont un peu cachés. Ça fait... Je sens que ça... Il y a vraiment une variété du gameplay même dans cette... Putain, ça reste... Mais il y a des pics de partout. Je sais plus quoi faire, quoi. Ah, la glace. Ok. Je trouve pas mal de petites subtilités. Faire quoi, là? C'est un laser, ça? Oh, putain. Ah, ok, c'est un laser, genre un piège et tout. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Franchement, je pense que... Oh putain. Oulala. Ok. Oh putain. Oh là là, j'ai eu chaud aux fesses là. Ah, j'ai eu chaud aux fesses. Bah, allez, non, faut pas crever maintenant. Ah, faut pas faire le noob maintenant. Ah putain. Ah putain non. Ah. Ouh, c'est chaud là. Ah, c'était chaud, c'était le cas de le dire. Oulala. Oulala, faut faire quoi là? Oh, c'est un boss.
tout bidon ton boss, hein. Franchement, c'était ça le boss? Non. Sans blague. Regardez, regardez comment on change de palette de couleurs. Oh, énorme. Ah ouais, non, franchement, sous le charme. Regardez, regardez. Oh, c'est super joli, là. Super joli. Franchement, c'est bien fichu. C'est bien fichu, hein. C'est super bien fichu, je trouve. Ouh là là. Ça, c'est quoi, ça? On peut pas le tirer dessus, là. Merde. Merde. Ça, c'est le boss, là. Là, je crois que là, c'est le boss, par contre. Je crois que là, c'est le boss. Vous devez pas m'avancer. Oui, oui, c'est le boss. Oh, ça rase, c'est le boss. Oh, ça rase. Allez, bourrinage. Bourrinage activé. Mode bourrinage activé. Je sais pas comment le buter, mais... Ah, faut peut-être le tirer sur ce truc. Non, ça sert à rien. On dirait un bout de préservatif. Tout qui sert à rien. Ça pète, mais ça fait rien. Ça fait juste des points. Faut peut-être pas le buter, en fait. Ah, fiole. 209, je sais pas. Oh putain, ça arrive, mais c'était cheaté. Ah putain. Tiens, on peut aller sous l'eau. Regardez, regardez, c'est super bien fichu, ça. Allez, hop là. Je suis sous l'eau, je suis caché. Tu me vois plus, tu me vois plus, tu me vois. Tu vois plus, tu me vois. Tu vois plus, tu me vois. Ok, tu me vois. La feinte. La feinte de PGM. Ah, je crois qu'il faut péter le bout de préservatif, en fait. Voilà. Putain, t'as pas la rage. C'est bon. Regardez la musique au fond, super jolie quoi. Et super bien fichu là. Ah, checkpoint, voilà. C'est bon. Merci le moustique. Merci mosquitoche. Wouhou. Bam, PGM. Ah, Pekanda à l'autre côté. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, apparemment, il y a des objectifs à accomplir un petit peu. Au fur à trouver des choses spécifiques au, dans chaque niveau. Ça a l'air plutôt marrant quoi. Ah, attention. Oui, vous voyez le nombre de petites libellules à trouver. Faut trouver 300 pour avoir une autre, un autre smile comme ça là. Apparemment, je sais pas. Ah. Ouais, bah c'est bon, j'ai réussi à avoir 300, je crois, non? Si, si. Ah non. Comment ça se fait que j'ai eu deux alors? Continuez. Bon, bah on va voir s'il y a un troisième niveau. S'il y a un troisième niveau, on se quittera là quand même. Et puis voilà, j'ai. Perdez pas de temps, vraiment, c'est une démo qui a l'air vraiment excellente quoi. Déjà les deux premiers niveaux qu'on vient de faire là. Bon, le premier je l'avais déjà fait sur le truc. Et apparemment il y a un troisième niveau. Ah, ça m'a l'air pas mal quand même. En tout cas c'est pas une démo comme la Sonic hein. Bref, boss ardent. Ah là ça m'a l'air d'être du boss là. Alors là ça rigole plus. Bon bah écoutez, je vous laisse découvrir ce niveau là du boss ardent tout seul. Et puis voilà quoi, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous dis salut et à la prochaine. Salut.